Salut tout le monde, les amis, c'est Drawenik, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau Let's Play sur Max Payne 3, sur PS3. Donc, avec la petite, peut-être une cinématique d'intro, je pense, pour commencer. Alors déjà, faut que j'aille me manette, voilà. Donc, vous allez pouvoir voir, là, sur l'écran, je vous affiche une petite liste. Donc, comme vous avez pu voir, j'ai fait un sondage juste avant, où vous avez voté pour le Let's Play. Que vous voulez, le gosse dessus doit être à peine visible. Comme ça, allez. On va se mettre comme ça. Hein. Ouais, parce que souvent, j'ai des problèmes de luminosité, donc on va se mettre comme ça. Donc vous voyez la liste Pixul, donc attendez, on va mettre vite fait sur pause, voilà. Donc comme vous pouvez voir, c'est Max Payne 3 qui arrive en tête pour le Let's Play que vous avez choisi. Ensuite on a, je crois bien, Red Dead Redemption et pour finir Mass Effect 2. Donc c'est tant mieux que ça tombe sur Max Payne 3 parce que c'était vraiment un jeu que je voulais faire. Et en même temps, le jeu qui m'aurait plu aussi de faire en Let's Play, c'est Mass Effect 2. Donc peut-être que j'en ferai de mon côté un autre Let's Play qui arrivera peut-être dans, je sais pas moi, 6 mois sur la chaîne, ça se trouve, mais je le tournerai avant. Donc voilà, je fais ça pas mal avec d'autres Let's Play. Comme sur Diablo 3 par exemple, on a tourné déjà 4 épisodes à peu près avec Dr. L. Donc, on est parti pour reprendre le jeu. Je vais me taire pour la cinématique. Sauf s'il y a des choses à dire. Voici le héros, hein, très connu des Max Payne. Rockstar Game. Donc c'est un doublage français, enfin un doublage anglais, traduit français. Toujours un peu cette ambiance drogue et tout, je sais pas ce que vous en pensez, mais avec les couleurs un peu voilà, comme ça, un peu ça fait trouble, je trouve que ça fait un peu l'ambiance riche, drogue et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça, c'est bien retranscrit. Seriously. Il doit penser à quelque chose. Donc j'ai pas fait les autres Max Payne, excusez-moi, ni sur PS1. Enfin, je les ai fait. J'ai déjà vu des vidéos bien sûr, mais j'en ai jamais fait. Donc je ne connais pas l'histoire de Max Payne. Donc on va voir si le 3, je sais pas si le 3 suit ou si c'est une autre histoire. Mais apparemment ça suit un petit peu. If I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. C'est bien, il y a de l'humour déjà. You're right. It wasn't doing me any favors. Mais tu es bourré. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited. Ah, really. Il avait perdu son amour. Really, je sais pas ce qu'il veut parler. Peut-être de son ex-copine ou un truc comme ça. Si vous savez, hein, n'hésitez pas à mettre l'histoire dans les commentaires. Un peu de Max Payne, ça ferait plaisir, comme ça je m'instruirai un peu pour mieux comprendre l'aventure. J'aime bien les cinématiques comme ça, qui font des flashbacks comme ça. Si vous le savez pas, Max Payne c'est un TPS à la troisième personne, bien sûr, ou c'est un jeu d'action. Non, il n'y a pas trop de plateforme, c'est beaucoup action-aventure, mais plus action. Je pense qu'on va faire quoi, allez, on va faire 10 minutes, un quart d'heure peut-être sur ce premier épisode. Et ça sera toujours des épisodes de 10 minutes, un quart d'heure, hein, je pense, pas plus. Sauf si jamais vous voulez des épisodes plus longs ou plus courts, dites-le moi aussi dans les commentaires. Et un petit like si cette aventure vous plaît. Va vous plaire parce que elle n'est pas trop encore commencée, là on est juste à la cinématique de départ. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était en train de se frapper derrière alors que c'était juste le ventilateur. Rob Nelson comme directeur artistique.
assez bien faite, hein, la cinématique. Je sais pas ce que vous en pensez. Niveau graphisme, c'est pas mal, hein. Les personnages sont bien faits. Alors, nous voilà. donc c'est parti, histoire. Donc on a arcade, jeu en solo en mode arcade, multijoueur. Ah ouais, on aura plusieurs choses. Bon, on va faire l'histoire, hein. C'est ça, c'est parti. Moyenne, difficile. Moyenne, la santé et le bullet time s'obtiennent en quantité normale, la pression monte. Voilà, allez, moyenne. Lors de la visée, le réticule sera légèrement guidé sur les ennemis. Ouais, on va faire ça, hein. Inverser l'axe sans inverser. On veut pas inverser. J'aime pas trop quand on inverse, sauf pour les jeux d'avion, c'est sympa, je trouve. Pour l'axe de visée. Donc ça va être beaucoup de cinématiques, hein, je pense, dans ce premier épisode. On va presque pas jouer. So I guess I've become what they wanted me to be. A killer. Oh la vache, tout cramé, il a perdu un bruit. Well, that's what they had paid for, so in the end, that's what they got. Say what you want about Americans, but we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death, and I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Oula. Alors, chapitre 1, il y a de l'orage dans l'air. Sao Paulo, Brésil. J'étais arrivé à Sao Paulo quelques semaines plus tôt. Oh, il est un peu bodyguard, quoi, en fait. Oh la vache, c'est joli. Donc, pour l'instant, on se juste bien. Bien sûr, c'était de changer. Hey, frère. Hey. Il est bizarre, lui. C'est un cocktail. Scotch. I never mix my drinks. Yeah, at least not on duty. Something like that. Man, that favela is big. Oh, il y a une piscine en bas là, elle est trop classe. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really sweat. Classe en costard comme ça. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. Better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. Suivant leur chance. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. Mais peut-être qu'il est celui-là. He's some kind of cop. Ah, I think, I'm not sure. Serious though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Un plomb de bite. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for a smart look-alike. C'est énorme, j'adore les répliques pour l'instant, elles sont vraiment mortes. I was mostly working for Rodrigo Bronco, a local businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. She was hot and wanted to be dangerous. Some good genes trying to fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other.
She spent a lot of time with his cokehead younger brother Marcello. Pour ça, je parle pas beaucoup, hein, parce que guy, if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother Victor just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on cue. Ouh la vache. Oh là. Oh, les mecs, ils ont des maillots de foot, quoi, pour faire un... Je sais pas quoi, un attentat. Oh, je sens que ça va être bon, ça. Bam. Et là, c'est parti, on prend notre arme. Things had gone fine to fucked up in about a second, and now there were two idiots at the wheel. En même temps, il s'est à moitié bourré. Je sens qu'il va mourir. I was concerned about trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Et attention, c'est parti. Appuyez sur R3 pour activer le bullet time. R pour placer le réticule. R2 pour tirer. Et voilà, headshot. Orienté vers l'avant, L et appuyez sur R1 pour faire un shoot dodge. Ah, c'est classe. Maintenez L2 pour viser automatiquement la cible suivante. On peut pas se cacher là. Ils sont ces connards. Nyon. Crève. Voilà. Putain, c'est beau ici. Grosse tuerie là, avec du sang partout. Et là, je fais, ah, c'est joli ici, hein, sympa. On va récupérer des munitions. Vous voyez, hein, on rentre directement dans l'action. C'est génial ça. Putain, c'est une vraie boucherie, hein. Il y a du sang partout. On one of the balconies, and I hoped not about to be thrown off it. Ah, ok, se trouver sur le balcon, pardon. Par là. Oh là là. Oh putain. Fais pas le con. It might have been stupidity, drunkenness, or maybe both. Ok, il va falloir l'aider, hein. I was back taking insane risks. Je risquais à nouveau ma vie pour une femme déchue. Ouais. Non. Ouais, classe. Et là. Pouh. Ah ouais, un bullet time. Ah, j'adore ça, c'est trop classe. C'est comme dans Sniper Elite. Hop, je tombe dans la piscine. Au calme. Tranquilla. Ah, c'est des espagnols. Ou je sais pas quoi. Je pensais que j'étais sûr qu'il allait mourir, lui, je sais pas pourquoi. Il faut le retrouver. Qui ça? Qu'est-ce qu'il y a pas? Je sais pas de qui il parle. Il y a un mec qui s'est enfui apparemment. J'imaginais déjà les portes de l'ascenseur s'ouvrir devant un meurtre, une meute d'enragés. Putain, j'ai du mal. Ne s'attendrait sûrement pas à ce que quelqu'un soit assez stupide pour les poursuivre. Je crois que c'était ça. Ce que j'aime bien, c'est que les cinématiques sont. Oula. Alors toi. Quand vous êtes près d'un élément du décor, appuyez sur carré pour vous mettre à couvert. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je sais plus trop comment on fait les comment. Voilà. C'est pas ça que je vais faire, c'est les bullet time en sautant. Je sais plus comment on fait. C'est pas rond, c'est pas triangle. Pour déclencher la bullet cam, tirez sur R2 sur le dernier ennemi avec R2. Ok. Pour ralentir la bullet cam, maintenez X. Continuez de tirer et appuyez sur A2. Ah, c'est classe. Ah, c'est vachement bien pensé.
con, faudra que je m'en rappelle toutes les touches. Ah, on a une mitraillette, impeccable. Ça doit être par là, je pense. Ils devraient essayer de le faire sortir par le sous-sol. Rodrigo valait trop cher pour qu'il s'en débarrasse. On va faire 20 minutes du coup, je pense. Oula, il y a du monde. Attendez, on va juste regarder vite fait sur la notice, parce que sur la notice du jeu, c'est vraiment très bien fait. On a toutes les touches et tout. Mais vraiment super, elle est super belle la notice. Moi qui aime bien les notices. Alors, commande de jeu. Shoot dodge. Ah, c'est R1. Ça doit être ça. R1. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ah, j'adore ça. Allez, on se cache. Ouh. Oh, on l'a démonté celui-là. Ah, oh, juste dans la gorge, dans la trachée. Les interrupteurs qui clignotent ouvrent les portes. Ok. Approchez-vous de l'interrupteur pour l'utiliser. Ok. Impeccable. Un décor. Enfin. Un objet du décor qui où on peut interagir. Des interrupteurs comme ça à prendre en compte pour la suite. Alors je sais pas comment on fait pour courir. Ah, roulade avec X apparemment. Cherche des indices. Cherchez les indices qui vous permettent de comprendre la situation. Ok. Ah mais comment on fait? Enfin je veux dire. Oh là, j'aimerais trop conduire une bagnole. Celle-là, une Aston Martin. Comment on fait pour changer d'arme? Ah. Et ce qui est classe, vous voyez, j'ai lu ça. Ah, attendez, il y a une photo. Ce qu'il y a de bien avec la célébrité et l'argent. Qu'il y en a trois, un indice. Photo au sol examiné. Ce que je voulais vous dire, c'est que. Ce qu'il y a de bien dans le jeu, c'est que comme vous voyez ici. On tient toujours notre deuxième arme, on la range pas dans notre dos de sorte qu'elle soit invisible et tout ça. Yes, c'est exactement ce que je voulais faire, je me suis dit est-ce qu'on peut l'avoir au corps à corps et... Oh putain, c'est classe, c'est vraiment très classe. Je sais pas comment utiliser l'autre arme. Ah, on peut changer aussi si on veut tirer... si on veut tirer à la main droite ou à la main gauche. Enfin, plutôt si on veut l'épaule droite ou l'épaule gauche pour tirer. Ça c'est classe aussi. Ok, c'est parti. Va falloir qu'on l'aide. Ah, ça, c'est le pas, c'est le gars qu'on devait surveiller, enfin, qu'on devait garder. Ok. Ouais, pas con. Hop. Bim. Comme ça, le v'là arrêté. Bon, là, ils vont me tirer dessus. Logique. Alors, pour prendre des antalgiques et regagner un peu de santé. Ok. Je sais pas comment on fait pour changer d'arme, attendez. Ah voilà, bah tiens, c'est comme une roulette dans plusieurs jeux, hop, voilà. Et là. Oh, c'était soigné. Voilà, là t'es mort. Il y en a un autre. Ah non, ok. Oula, calme-toi toi. Le mec il est trop vénère. Faut qu'on l'aide à s'enfuir. Ouh, dans le téton je crois. Ou dans la tête, ça c'est classe. Et j'adore vous mettre au ralenti comme ça, c'est vraiment super bien fait. Ok, on a 18 minutes, faut qu'on l'aide à s'enfuir. Et après, ça sera bon. C'est quoi ça? C'est les militaires? Ah ouais. Tout va bien, venez, ça va aller, asseyez-vous. C'est bon, ils sont tous morts. Ah non. Oh putain, ils sont en train de les finir les gars, ils les gardent même pas en prison, t'sais. Ils veulent plus de... Sûrement des pauvres qui voulaient se faire du fric en gardant des riches. Bon, ils parlent en espagnol, je crois. Ouais. Allez. Ils ont dit vamos. Je parle un peu espagnol, enfin, c'est ce que je fais LV2 espagnol, mais après, je suis pas très bon non plus, je vais pas trop vous traduire. Bien joué, Max. Si tu le dis, tout le monde n'a pas eu autant de chance. Il te faut quoi de plus? Les gentils sont sains et saufs, et les commandos sans bras sont morts. Peut-être. Qui est ce type? Une sorte de flic, je crois. D'une autre branche de la police. Pas l'UFE, la police normale. C'est lui qui a été kidnappé. Ah non, c'est l'autre, ok. Ça, c'est un policier.
Let's get this lot home and then I'll get you home too. Come on. Ok. Bon bah les amis, je crois qu'on va se laisser là. Il va sûrement y avoir un truc de sauvegarde. Il a souffert, j'avais bien tiré dans la gorge en plus. C'est peut-être celui que j'ai tiré sur le téton là, c'était plutôt marrant d'ailleurs. Back home, it was time for some R&R, the only way I knew how. L'alcool s'appelle Kong comme King Kong. C'est exactement la même police que King Kong, c'est vachement marrant ça. Oula. Calme-toi. Il est pas bien là, Max il est pas super. C'est pas bien comme ça de se bourrer la gueule Max. Voilà bon bah c'était tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, moi en tout cas j'ai vraiment pris un plaisir à faire cette vidéo. Le gameplay est vraiment génial, hein. Ils ont vraiment de super bonnes idées, donc ça annonce vraiment du lourd pour la suite de ce let's play. Donc n'hésitez pas à liker cette petite vidéo si elle vous aura plu. Et on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt. Salut tout le monde et à bientôt.